Implantée depuis 1957 à Chailly-en-Brie, au cœur de la Brie, à 5 km de Coulommiers, l'établissement de la Bretonnière propose des formations de la 3e au baccalauréat professionnel ou BTS vers les métiers de la nature, de l'horticulture, de l'environnement, de l'agriculture et des services. C'est un établissement public qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui dispense des formations générales et professionnelles par la voie initiale au lycée et par l'apprentissage en alternance au centre de formation apprenti agricole et horticole. C'est également et surtout un établissement à taille humaine situé dans un cadre de vie exceptionnel, reconnu pour son savoir-faire dans la formation citoyenne, scolaire et professionnelle. Le lycée, composé de 300 élèves, propose un enseignement professionnel avec une classe de 3e enseignement agricole, un bac professionnel agricole de conduite et gestion de l'exploitation agricole avec une spécialité productions animales, un bac professionnel service en service aux personnes et au territoire, ainsi qu'un enseignement général et technologique avec une seconde générale option écologie, agronomie, territoire, développement durable, une première et une terminale sciences et technologies de l'agronomie et du vivant avec deux spécialités, les productions agricoles et les services. Et enfin, un enseignement supérieur avec un BTS Développement et Animation des Territoires Ruraux. Le CFA, Centre de Formation par Apprentissage, représente 400 apprentis de la classe de DIMA, Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance, jusqu'au BTS, Brevet de Technicien Supérieur, et propose plusieurs filières à l'établissement La Bretonnière à Chailly-en-Brie, mais également sur plusieurs UFA, unités de formation par apprentissage, délocalisées à Montreuil et à Brie-Comte-Robert. La filière production horticole prépare du certificat d'aptitude professionnelle agricole au bac professionnel. Cette filière permettra aux élèves de participer à des activités en entreprise comme le rempotage, la multiplication de végétaux, l'arrosage, le nettoyage des plantes, l'effleurage, le distançage ou encore par exemple le repiquage. Quelques exemples d'entreprises maîtres d'apprentissage qui peuvent accueillir un apprenti. Les horticulteurs, les pépiniéristes, les collectivités locales comme les mairies, les maraîchers, les serres. Les métiers préparés en filière production horticole sont ouvriers horticoles et chefs de culture. La filière production agricole et conduite et gestion d'exploitation enseigne du CAPA au bac professionnel. Les apprentis participeront lors de leur période en entreprise à l'entretien du matériel, à la culture comme les semis, le labour, les moissons, la fertilisation, les foins. Ils pourront évoluer en stage dans toutes les exploitations agricoles, des productions végétales ou animales selon l'option. Cette filière prépare au métier d'ouvrier agricole à chef de culture. La filière aménagement paysager, du CAPA au bac professionnel, fera découvrir aux apprentis en entreprise l'entretien comme la taille, la tonte, le désherbage, le ramassage de feuilles, mais aussi le recépage, la création, massif par exemple, la maçonnerie, le terrassement, l'arrosage automatique, l'électricité. Les entreprises maîtres d'apprentissage pour cette filière sont les pépiniéristes, les collectivités, les entreprises privées en aménagement paysager, les parcs d'attractions comme Disney et bien d'autres encore. Elles préparent au métier d'ouvrier jardinier à chef de chantier. La filière service, du CAPA service en milieu rural au bac pro, service à la personne et au territoire. Les activités réalisées en entreprise seront par exemple les soins aux personnes dépendantes comme les personnes âgées, les enfants, bébés, personnes handicapées, la préparation, service, distribution des repas, la gestion administrative et la vente pour le CAPA SMR.
les apprentis pourront effectuer leur stage en maison de retraite, école, crèche, hôtel, restaurant, les IME, les offices de tourisme. Et les métiers préparés par la filière service sont ATSEM, concours d'infirmière, auxiliaire puéricultrice, agent d'accueil, aide-soignante. L'UFA de Montreuil propose un bac pro aménagement paysager et un CAPA travaux paysagers. Et l'UFA de Brie-Comte-Robert prépare, lui, le brevet de technicien supérieur agricole, aménagement paysager et les certificats de spécialisation pour jardinier de golf et entretien de sols sportifs engazonnés et taille et soin des arbres. Le site de la Bretonnière dispose également d'une exploitation agricole, support pédagogique, mais aussi véritable unité de production grandeur nature. Elle est implantée sur 50 hectares de cultures fourragères et céréalières. Elle dispose aussi d'un élevage de 300 brebis, de serres horticoles de 640 m² et de différents ateliers spécifiques pour répondre aux besoins de la pédagogie. Salle de vente directe, verger conservatoire. Placée sous l'autorité conjointe du ministère de l'Agriculture et du Conseil régional d'Île-de-France, nos équipes d'environ 120 personnes partagent une volonté commune de permettre aux jeunes de disposer des meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs de formation. Au sein de l'établissement, chaque jeune construit au lycée ou au CFA son parcours vers une vie professionnelle et sociale réussie. Mais la Bretonnière, c'est aussi un internat filles et un internat garçons, un self-service et réfectoire, une serre pédagogique, un jardin à la française, du matériel professionnel, des ateliers pédagogiques pour les formations des services à la personne, un gymnase et des plateaux sportifs, des salles multimédia et laboratoires de langue, un centre de documentation et d'information, un foyer, des associations culturelles et sportives, des stages de découverte de l'apprentissage des métiers de la nature et des services, et enfin une aide à la recherche d'entreprises pour les apprentis.